Seigneur, 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 donne-nous de revenir à ta volonté. Chaque jour de nos vies, accorde-nous la grâce de désirer. Il m'a demandé, est-ce que tu pries tous les jours pour cela? Est-ce que tu m'associes tous les jours? Est-ce que tu me dis, Seigneur, influence mes vêtements? Seigneur, influence mes relations? Seigneur, influence mes décisions? Est-ce que tu me le dis tous les jours dans la prière? Est-ce que tu dis, Seigneur, influence mes choix? Seigneur, influence mes décisions. Si ce n'est pas ta décision, ne me laisse pas la décider. Si ce n'est pas ton choix, ne me laisse pas le choisir. Si ce n'est pas ta voix, ne me laisse pas la prendre. Est-ce que tu le demandes tous les jours? Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas aller là où je veux. Je demande que tu conduises mes pas là où toi tu le désires. Plus que jamais, remplis-moi de la connaissance, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, car ta volonté est la clé de ma sécurité, ton instruction est la clé de notre protection. Seigneur, Seigneur, nous nous humilions, nous nous humilions, Seigneur, Seigneur, Seigneur et compassion. Personne n'a envie d'échouer dans la vie. Personne n'a envie de se planter dans la vie. Mais alors, si tu ne veux pas échouer et si tu ne veux pas te planter, tu auras besoin des lois de Dieu et tu auras besoin d'entendre le son de sa voix. Il veut être ton partenaire dans les affaires. Il veut être ton partenaire au travail. Il a dit dans sa parole, je t'instruirai. Je te donnerai des instructions. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai le regard sur toi. Je veillerai moi-même. J'étendrai ma main sur toi. Nul ne te ravira. Nul ne te fera du mal. Nul ne t'éliminera. Nul ne détruira. Personne n'éliminera tes enfants. Mais quand tu n'es pas au cœur de ma volonté, ce n'est plus ma fidélité qui parle, c'est ma miséricorde. Mais ma miséricorde n'est pas obligatoire. Je fais grâce à qui je fais grâce. Si tu n'es pas sur les rails de ma volonté, tu peux être protégé, tu peux avoir la sécurité, mais ce n'est pas un engagement, parce que tu n'as pas ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si tu n'es pas enceinte de ma parole, alors je n'ai aucune contrainte, je n'ai aucune obligation. J'ai établi une alliance avec ma parole. Je veille sur ma parole. Et la Bible dit, à toujours, oh Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. C'est ma parole qui soutient l'univers. C'est ma parole, le son de ma voix n'est pas à l'intérieur de toi. Et si ce n'est pas à ça que tu obéis, alors tu es livré à toi-même. Alors tu livres ton foyer. Alors tu livres ton histoire. Alors tu livres ta destinée. Reviens à moi et je reviendrai à toi. La clé, c'est entendre ma voix, entendre ma volonté. Ma volonté te protège, car j'ai pour toi des projets de paix. Ma volonté, ce sont des projets de paix, pas de confusion, pas de malheur, que j'ai formé sur toi, sur mesure, pour te rendre heureuse, pour te donner un avenir, pour te donner une espérance certaine. Tu as besoin de ma volonté. J'ai assuré ma volonté. J'ai assuré ma parole. J'ai assuré ma parole. Je n'ai pas donné une assurance. Je ne me suis pas engagé pour tes ambitions. Je ne me suis pas engagé sur les désirs de ta chair. Je ne me suis pas engagé sur les choix que tu fais par toi-même. Je me suis engagé. J'ai signé. J'ai certifié. Et j'ai mis un tampon divin sur ma parole, sur ma volonté, sur mes désirs. Et quand tu es enceinte de mes désirs, tu es enceinte de ma volonté. C'est alors que je veille sur cette parole pour la manifester. Alors tu y jouiras et tu récolteras les bénéfices de ma volonté. Ne nous laisse pas sous-estimer. Ne nous laisse pas sous-estimer. Ne nous laisse pas sous-estimer cette parole. Ne nous laisse pas nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Ne nous laisse pas nous détacher de toi. Ne nous laisse pas mépriser ta volonté. Ta volonté, ta volonté. C'est la clé de la protection. C'est la clé de la sécurisation. Donne-moi d'entendre ta voix. La volonté, c'est simplement entendre ce que tu dis. Que dit l'Esprit à l'Église aujourd'hui? Telle est la question. Que dis-tu, Seigneur? Que dis-tu pour mon foyer? Que dis-tu pour mon mariage? Que dis-tu pour mes relations? Que dis-tu pour mon travail? Qu'est-ce
qui est dans ton cœur. Quel est ton conseil? Quelle est la voie que tu veux que je suive? Montre-moi l'itinéraire, montre-moi le chemin. Ne me laisse pas y aller, ne me laisse pas voyager, parce que j'ai de l'argent. Accorde-moi la grâce de voyager là où tu veux que je voyage. Ne me laisse pas prendre un train, parce que j'ai les moyens de prendre le train. Accorde-moi la grâce de prendre le train que tu veux que je prenne. Ne me laisse pas aller là où tu n'es pas, parce que si je vais là où tu n'es pas, je risque d'avoir des problèmes inutiles. Oh, je t'en supplie, le fait de croire en Dieu, le fait de prier, ne te garantit pas, ne te préserve pas contre une agression. Ce qui te préserve, c'est lorsque tu as écouté la voix. Alors il veille sur cette parole pour l'exécuter. Seigneur, accorde-nous la grâce de supplier. Nous te supplions. Ne nous laisse pas perdre du temps. Ne nous laisse pas perdre de l'énergie. Ne nous laisse pas risquer nos vies à faire ce qui n'est pas dans ton cœur. Non seulement c'est une perte de temps, une perte d'énergie, mais c'est une mise en danger de notre propre vie. Une mise en danger de la vie d'autrui, des personnes qui dépendent de nous. Alors plus que jamais, positionne-nous au cœur de ta volonté, plus que jamais. Aide-nous. Au nom de Jésus, je te supplie. Fais-nous grâce. Nous voulons faire, Père. Nous voulons faire. Merci de ce que tu as compassion. Merci de ce que tu nous convaincs. Et tu nous pousses et tu mets en nous le désir d'aller plus loin que la simple prière. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas important de prier. Oh, bien sûr que si. Mais la prière n'a pas d'impact lorsque ce n'est pas dans le sens de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, protège-moi, alors que tu suis tes propres voies. Sa protection n'est pas assurée. Tu es comme les incroyants à la merci de n'importe quel événement ou catastrophe qui pourrait surgir. Dieu n'est pas engagé. Et Seigneur, en sois engagé dans ma vie parce que j'accepte de faire ta volonté. J'accepte d'obéir, d'entendre et de poser des actes sur ta parole. Sur ta parole, j'investirai. Sur ta parole, je choisirai. Sur ta parole, je déciderai. Sur ta parole, je m'associerai. Si ce n'est pas ta parole, ne me laisse pas y aller. Je t'en supplie. Telle est la prière que tu dois faire tous les jours. Parce que chaque jour a son lot de tentations. Chaque jour a son lot de séductions. Chaque jour a son lot de ruses diaboliques. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu as besoin de la voix. La voix ne sera jamais démodée. Sa voix ne sera jamais obsolète. Sa voix ne sera jamais dépassée. Chaque jour, tu as besoin de directives divines. Seigneur, influence mon agenda. Influence là où je vais, les rendez-vous, qui je rencontre. Seigneur, dirige mes pas. Selon qu'il est écrit, les pas du juste sont affermis par l'Éternel, par le Seigneur. Seigneur, dirige mes pas. Ne me laisse pas aller n'importe où en désordre. Seigneur, dirige mes pas. Dieu ne t'imposera jamais sa volonté. Si tu ne la lui demandes pas, il ne le réalisera pas. Il faut de lui demander. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites. Voilà pourquoi Paul dit, nous prions pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Recadre-nous, reprends-nous. Ramène-nous, restaure-nous. Repositionne-nous sur le chemin de ta volonté, de tes instructions, parce qu'il faut que les projets que tu as décidé de manifester à travers nous, il faut qu'ils voient le jour. Il faut que ces projets de paix soient manifestés.
Alors redimensionne, repositionne-nous, nous te supplions. Au nom de Jésus, tu as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je veux faire, je veux faire. Tu m'accorderas la grâce de 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 faire. Tu m'accorderas la capacité de faire. Tu m'accorderas la grâce de faire. Tu m'accordes la grâce de faire.